Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous présenter un programme de guitare auquel je vais m'astreindre pendant au moins un mois. Donc l'idée c'est de voir si ça peut être intéressant de faire un programme, de s'y tenir, de voir comment on peut ajuster les choses en fonction. Donc je vais essayer de vous partager un petit peu tout ce que j'ai préparé. Donc déjà il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'en un mois on peut vraiment mesurer une réelle progression? Est-ce que le programme est trop ambitieux? Comment rester motivé jusqu'à la fin? Et pour vous faire un retour en vidéo de l'expérience, je vais pas vloguer tous les jours, franchement ce serait trop de boulot pour moi. Mais je ferai plutôt une vidéo récap par semaine avec le boulot que j'ai fait, quelles difficultés j'ai pu rencontrer, quels ajustements j'ai fait. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'attends juste que voilà, la souris disparaisse. Voilà. Donc, ça, c'est les différentes disciplines que je vais m'astreindre à travailler. Donc, vous pouvez retrouver, bien sûr, le plus important, le rythme, l'oreille, l'harmonie, la technique, la mélodie et le répertoire. Donc, ce ne sera pas des compétences que je vais travailler de façon isolée. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je pense qu'il faut au moins en combiner deux, voire trois à la fois pour que ça paye un peu vraiment, quoi. Alors, peut-être que des fois je ferai du travail isolé, mais je vous montrerai pourquoi. Donc on passe maintenant à la répartition du planning, qui est un petit peu militaire. Donc ça, c'est, c'est moi. Je me lève assez tôt le matin. J'essaye de... En fait, je vais faire des séances de pratique quatre fois dans la semaine. Et c'est corrélé à mes séances de sport, comme ça un peu. Donc comme ça, j'ai vraiment une routine un peu le matin qui est un peu militaire. Ouais, pour certains, c'est peut-être un peu bourrin, mais moi je travaille d'après-midi, donc j'ai pas trop le choix. Si je veux remplir un peu ma journée, il faut que je me lève tôt, quoi. Donc une fois que je rentre du sport, c'était un peu dur la reprise, je vous cache pas. Et je me suis enquillé là une heure de technique, et là je vais commencer à faire du travail d'improvisation. Ensuite un peu de répertoire, après faut que je prépare un peu mes repas pour la journée parce que j'aime pas faire 50 fois la cuisine par jour. Et après je m'autorise quand même une petite sieste ou méditation, je pense que c'est pas mal pour réfléchir un peu à ce que j'ai pu faire dans ma journée, comment je pourrais améliorer les choses. Ensuite je prépare mes cours, je m'autorise une heure de jeu libre et après je vais au taf. Ensuite je mange le soir vers 20h parce que c'est l'heure à peu près où je vais rentrer. Je m'octroie un petit peu de montage vidéo pour peut-être faire le retour d'expérience en fait. Et puis après quand même un petit peu de temps libre, c'est quand même important. Et après extinction des feux 22h30 et on recommence soit le lendemain, soit le surlendemain, selon mon planning de la semaine aussi au niveau du boulot, quoi. Donc bien sûr il y aura sûrement des ajustements, hein, ça va pas être non plus à la minute près, quoi. Donc je vous passe maintenant un petit peu les compétences que je cherche à viser. Alors j'espère qu'on verra bien la cam et en même temps ce que j'ai écrit, j'espère. Donc les compétences que je vais viser sont au nombre de 3. Donc le vocabulaire rythmique, le développement du répertoire et l'improvisation. Et après il y a 5 règles du jeu auxquelles je vais absolument m'astreindre pour finir ce programme d'un mois que je vais peut-être renouveler par la suite si je trouve que ça a bien fonctionné avec moi, quoi. Donc si jamais vous ça peut vous motiver aussi à créer votre programme ou peut-être vous en inspirer, n'hésitez pas, quoi. Ou si ça marche pas, comme ça vous saurez qu'il n'y a pas besoin de faire ça, ça marche pas. Moi en général les programmes marchent pas sur moi, donc c'est un peu ma dernière tentative là avant de faire un reset complet sur mon jeu, comment le faire aller ailleurs, quoi. Donc les 5 règles sont très simples. Tenir le cap. Au niveau du répertoire, ça peut être des solos, des petits licks, des mélodies. Et quand même essayer de prendre 10 chansons dans le répertoire. Donc il faut que je fasse un petit peu la recherche aussi de mon côté. J'ai pas encore fini les 10 que je voulais jouer. Voilà. Mais ça va venir rapidement. Après, pour l'improvisation, la seule règle, c'est de vraiment suivre les accords, quoi. Okay, que ça soit une grille modulante ou pas, le but du jeu c'est de suivre les accords, notamment avec les triades, les notes cibles, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc je vais essayer d'éviter le travail de compétences isolées, genre purement harmonie ou purement technique, sauf si je détecte un problème quand je suis en train de jouer et que je détecte un problème technique de médiator ou une incompréhension sur un renversement d'accord ou que sais-je, voilà. Et là, dans ce cas-là, je ferai un petit module pour isoler effectivement le problème et essayer de développer la compétence qui me manque, quoi. Bien sûr, je vais sûrement faire des ajustements horaires ou planning en fonction de la semaine, de l'évolution, quoi. Donc demain, j'ai une réunion le matin, donc il va falloir que je m'organise un petit peu différemment pour répartir ça dans la journée.
Mais quoi qu'il arrive, il faut que je tienne ces 4 fois par semaine, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Pendant un mois. Et j'essaierai de vous faire une vidéo récap une fois par semaine, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve sûrement en fin de semaine pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment j'en ai chié et peut-être qu'est-ce que j'ai réussi à développer, quoi. Allez, on se retrouve bientôt pour le premier récap, quoi, du coup. Ciao, bonne journée.